de bronze en 4,70 et de la voile, mesdames, messieurs, Camille Lecointre et Hélène de France. Camille Lecointre, Hélène de France. Bonsoir. Tout va bien ? Tout va bien. Beaucoup d'émotions ce soir, forcément. Il y a beaucoup de monde et puis ça y est, la médaille, vous l'avez. C'est forcément beaucoup de bonheur. Oui, d'autant plus qu'elle a été difficile à obtenir, donc on s'avoue. Difficile à obtenir parce que voilà, il y avait 7 pays, je crois, qui étaient capables de ramener une médaille, si je ne dis pas de bêtises. Donc beaucoup de pays, beaucoup de difficultés. La compétition a été très rude. Donc vous savez, vous êtes championne du monde en titre, mais on savait qu'il y avait beaucoup d'opposition sur cette compétition. Oui, la hiérarchie n'était pas vraiment établie. Il y avait un niveau très proche entre les concurrentes et ça s'est joué sur la toute fin du championnat, enfin, la course et dans la finale, sur le tout dernier bord. Donc on est super heureuse. C'est le cas pour toi également, super heureuse ce soir avec cette médaille magnifique autour du cou. Ouais, je suis hyper contente qu'on ait ramené cette médaille et ça boucle bien le cycle de la préparation de la coupe. Comment vous avez abordé cette compétition? On le savait, vous étiez attendue, championne du monde en titre. On le savait aussi, hein, c'était une compétition rude. Qu'est-ce que vous avez fait de différent pour cette compétition? Ou est-ce que c'était plus dur peut-être dans la préparation? Non, je dirais qu'on l'a préparé comme tout événement important. Ça a été dur peut-être parce que on est venu ici beaucoup, on a fait beaucoup d'heures sur ce plan d'eau. Il a fallu s'adapter aux conditions, essayer de les apprivoiser. Après c'était aussi dur qu'un événement, qu'un mondial, dans le sens où on est là pour perfer, à la fin de la semaine ça se termine, donc il faut vraiment tout donner. Pour l'ensemble des équipes de France, ce qui a été le plus dur à gérer, c'est le vent, la météo. Vous avez vraiment souffert avec le vent, vous aussi. C'était quelque chose de compliqué à appréhender. C'était un plan d'eau très varié. Il y a eu des jours avec beaucoup de vent, des jours où il y avait beaucoup d'attente parce qu'au contraire, le vent était capricieux. Donc ça aurait été un championnat varié et compliqué. Allez, on va regarder ça en image. On va revenir sur les derniers instants de votre course. Regardez bien. Dernière manche, c'est le finish. Et vous allez nous expliquer, hein, qu'est-ce qui se passe, vous en êtes où? Parce que là, voilà, vous êtes juste là, alors quelles sont vos émotions à ce moment-là? Comment ça se passe dans vos têtes? En fait, on avait plusieurs concurrentes à passer pour avoir la médaille de bronze et on prend un mauvais départ au début, donc on est plutôt à l'arrière de la course pendant tout le long du championnat. Il y avait une concurrente qui avait moins surveillé que les autres, c'était la Hollandaise, et c'est un peu envolé devant, et sur ce dernier bord qu'on voit, on recalcule nos points, on recalcule tout, et là on comprend que c'est bon, et on les a assurés qu'il n'y avait pas de réclamation, de problème de classement, donc on n'a pas tout de suite explosé fort, on a attendu un petit peu. Qu'est-ce que cette médaille est différente peut-être avec un titre mondial? Est-ce que voilà, c'est différent des Jeux Olympiques forcément? En fait, les mondiaux sur cette préparation olympique, étant donné qu'on avait une association récente, c'était plutôt, on les prenait un par un chaque année, dans un sens de notre progression. Mais là, les Jeux, c'est la régate où on voulait... C'est là qu'il fallait. Il y avait plus de temps de progression, c'était ce pourquoi on s'était associé, L'objectif de votre association. Exactement. L'objectif de votre vie ensemble. Ouais. Qui a été facile votre vie ensemble? Il n'y a pas eu de dispute, tout s'est bien passé? Merci. Ça s'est bien passé. On peut lancer la pub, si vous voulez. Il n'y a pas de pub, je peux vous trouver un plan, mais si vraiment il y a... Non, tout s'est bien passé, bien évidemment. Dans le meilleur des mondes. Non, mais il y a toujours des petites accroches. Mais le principal, c'est la médaille. Voilà, je vais vous demander de bien vouloir aller au centre de la scène, s'il vous plaît. Pour les photos, déjà, n'hésitez pas. Très chers amis, vous pouvez accompagner, bien sûr, les championnes. 3, 2, 1, Camille Lecointre, Hélène de France, médaille olympique.